Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo présentation. En fait j'ai créé des albums avec les papiers de la marque Stamperia. Je vous les ai postés sur Instagram. Bon ça fait ça remonte, hein, ça fait un petit moment. Mais vous avez été nombreuses à me demander de voir l'intérieur et je me suis dit pourquoi pas vous proposer en vidéo. Je l'avais redit je ne sais plus dans quelle vidéo, vous m'aviez dit que ça vous intéressait, donc je vous présente ça tout de suite. Alors je vais vous présenter l'intérieur des 4 albums, mais je vais vous mettre en musique hein, parce que vous m'écoutez parler pendant une demi-heure, voilà, hein, je vais vous faire grâce de ça. Bref, juste une petite explication parce que je pars quand même toujours sur le même principe, c'est-à-dire que je découpe l'encart bah, déjà pour avoir la collection parce que la typo c'est pas toujours la même et puis ça donne le ton des couleurs, du style, etc. de la collection justement en question. Je relis avec la cinch, donc plus simple, plus basique, c'est pas possible. Et pour la couverture, j'utilise absolument pas de carton, il n'y a pas du tout un travail de couverture à faire. En général, je colle deux papiers l'un sur l'autre pour que ça soit un peu plus épais, mais pas forcément à chaque fois. Je ferme tout simplement avec de la toigne et donc je colle l'encart de la collection en 3D. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais c'est en 3D. Et derrière, je colle ceci en 3D. Donc ça, sur les dernières pages des collections de Stamperia, ils font toujours un rappel en fait des pages qu'il y a à l'intérieur, mais dans ce format-là. Voilà, donc en général, j'en découpe deux. Bon, là, ça tombait bien que ça se répondait, que ça faisait un joli ensemble. Ça ne sera pas toujours le cas, vous verrez sur les autres. Mais bref, ça aussi, je le colle en 3D. Je relie avec de la toile que j'essaye évidemment d'assortir avec la collection de papier. Ah oui, et dernière chose, tous mes papiers, je les achète en 30-30 et je fais un format en 15-15. Et vous allez voir que selon comment je plie, comment je découpe et tout, vous allez comprendre pourquoi je n'achète pas tout simplement le 20-20 parce que je sais qu'ils le font, qui est en plus du coup un peu moins cher, mais ça m'arrange pas du tout dans mon principe. Donc c'est pour ça que je reste sur papier 30-30 et je fais un format 15-15.
Donc voilà pour mes albums sans barrière, franchement j'adore ce concept, je sais pas si ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire parce que je sais que du coup sans photo, sans couverture, etc., etc., ça peut paraître inutile pour certaines d'entre vous, hein, ce que je comprendrai complètement. Mais alors moi le fait de justement qu'il n'y ait pas de photo et que j'ai pas besoin d'associer mes photos à l'album, de faire des couvertures compliquées, etc., etc., franchement j'adore le concept. Je crois que j'ai regardé la dernière fois, je mets à peine moins d'une heure pour en faire un complet, mais complet, c'est-à-dire entre le moment où je choisis mon papier, que je le découpe, que je découpe toutes les étiquettes, parce que dans les papiers sans barrière il y a beaucoup d'étiquettes, de tags, etc., que je fasse la reliure, que j'en colle tout, et alors que je colle, vous avez vu que sur les deux derniers j'ai eu quelques soucis. Je vais reprendre ça tout de suite après avoir fini la vidéo. Bref, en tout cas, oui, une heure, un peu moins d'une heure pour faire un album complet. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, je peux en faire un avec vous en vidéo, comme ça vous voyez tout le process, on va dire. Bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré, tout simplement en me disant Letter, Musique, Blues ou Imagine. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !